Et toutes les personnes, il y a eu énormément de retours de la part de personnes qui s'en sont sorties après un diagnostic où leur vie était destinée à être terminée, un cancer, phase terminale, etc. Quand on leur demande mais qu'est-ce qui s'est passé, alors bien évidemment ils vont parler de la foi. Mais la foi c'était quoi? C'est j'ai accepté à ce moment-là que cette maladie-là allait m'accompagner et la maladie s'en va. À partir du moment où je m'abandonne à ce qui est pleinement, au shahid, à Dieu, à ce qui se passe là actuellement, c'est-à-dire que j'ai pleinement conscience, mais dans mes cellules, et j'incarne pleinement que cette situation difficile, aussi inconfortable soit-elle, m'apporte de l'information pour mon cheminement spirituel et dans cette vie-là. Les cellules, il y a des études qui sont incroyables, les molécules d'eau se dilatent. D'accord. À partir du moment où l'être humain commence à entrer dans un processus donc c'est une d'acceptation. Énergie en fait, c'est ça, c'est un changement d'énergie qui va impacter les molécules d'eau. Tout à fait. De notre corps. Exactement, parce qu'il y a eu une conversation avec ce champ quantique invisible. Et c'est ok,